On a, comme avait dit, traversé les monts d'Arrée et on a, enfin, c'était super joli. On était monté jusqu'en haut d'une montagne pour voir une chapelle. Puis il y avait des gens qui nous avaient joué de la musique. Enfin, puis il y a beaucoup de temps rassemblés où on peut discuter et parler de la parole. On a des animations le soir, on va marcher pour se déplacer de camp en camp, on fait de la voile ou du vélo pour certains. On a chaque jour un nouveau texte et on l'étudie un peu et on a la relecture après. On a beaucoup d'explications avec le père Daniel, le père Tanguy parfois. Et nos animateurs ont réussi à comprendre au final. Ça nous apprend aussi à mieux regarder les autres, enfin à les regarder d'une manière différente.